étonnée de voir ici. Un peu étonnée, en effet. Une dame bronze, les demoiselles Lampoumas. Viennent à une consultation gratuite. C'est en effet si extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi, madame. Vous vous dites peut-être que c'est là l'un des jolis résultats du gâchis actuel. Et que t'en dis qu'une quantité de malotrus et de marchands cochons pour le carrosse et sable le champagne avec des actrices. Une dame Ponce, les demoiselles Lampoumas, dont la famille remonte jusqu'au XIIIe siècle sans interruption, qui a jadis possédé la moitié du pays, et a des alliances dans toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, en soit réduite à faire la queue avec des pauvres et des pauvresses de Saint-Maurice. Oh, avouez, docteur, oh, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. Je ne vous dirai pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai pu conserver la maisonnée de six domestiques et quatre chevaux qui étaient de règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. Non, j'ai dû même vendre l'an dernier un domaine de 160 hectares, la Michouille, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Oh, ce nom de la Michouille a des origines gréco-latines, à ce que prétend monsieur le curé. Il voudrait dire haine du champignon, oui, dérivé du mycodium. Pour cette seule raison qu'on n'a jamais trouvé le moindre champignon dans ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Ce domaine m'a rapporté, cependant, avec ses impôts et ses réparations, une somme ridicule. D'autant que depuis la mort de mon mari, les fermiers abusaient volontiers de la situation et demandaient sans cesse des délais ou des réductions. Oh, j'en avais assez, assez, assez. Mais ne pensez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine. Je le crois. Surtout si vous aimez les champignons. Et aussi si vous avez bien passé votre argent. Oh, vous touchez là le vif de la plaie. Je me demande jour et nuit si j'ai bien placé. J'en doute terriblement. Oh, j'ai demandé conseil à ce gros bêta de notaire, demeurant le meilleur des hommes. Oh, mais je le crois moins lucide que le guéridon de sa chère femme. Oui, 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 qui, comme vous le savez, s'est avis quelque temps de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Que pensez-vous, docteur, des charbonnages? Ce sont en général d'excellentes valeurs. Oh. Un peu spéculatif peut-être, soumise à des hausses inconsidérées, suivies de baisses inexplicables. Oh, mais vous me donnez la chair de poule. Oh oui, j'ai l'impression de les avoir achetés en plein hausse. J'en ai pour plus de 50 000 francs. Oh, d'ailleurs, c'est une folie de mettre une somme pareille quand on n'a pas une grosse fortune. Ce n'est pas une folie si le placement ne représente pas plus du dixième de la valeur totale. Oh, pas plus du dixième. Mais s'il ne représente pas plus du dixième, alors ce n'est pas une folie, probablement. Non, nullement. Oh, vous me rassurez, docteur. J'en avais besoin. Oui, il me faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Il est écrit qu'il faut, pour déloger un tourment, en mettre un autre à la place. Du moins, pourtant quelques répits ont changé. Oui, je ne voudrais plus ne penser toute la journée à mes locataires, à mes tirs. Je ne puis tout de même pas, à mon âge, courir les aventures amoureuses, ni entreprendre un voyage autour du monde. Bon, mais vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai fait queue à votre consultation gratuite. Mais quelle que soit votre raison, elle est excellente. Ah ben voilà, j'ai voulu donner l'exemple. Vous avez eu là, docteur, une noble et belle inspiration. Mais je connais les gens. Je me suis dit, ils n'ont pas l'habitude, ils n'iront pas. Et ce monsieur en saura pour sa générosité. Alors j'ai pensé que si une dame Ponce, née demoiselle Lampoumas, n'hésitez pas à inaugurer une consultation, eh bien, ils n'auront plus honte de s'y montrer.
Vous comprenez, mes moindres gestes sont observés, commentés, et c'est bien naturel. Mais c'est surtout fait pour moi, madame, de vous en remercier. J'ai été enchantée, docteur, de faire votre connaissance. Il vient chez moi tous les après-midi, quelques personnes, nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV. Il était de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse pour vous. Vous savez, je suis réellement très, très tourmentée par mes locataires et mes titres et... Oh, je passe des nuits sans dormir, c'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Oh oui, très longtemps. En avez-vous parlé au docteur Marpalais? Oui, plusieurs fois. Et que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du Code civil. Oh, c'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort. Car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Mais vraiment? L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale des vaisseaux, dites en tuyaux-pipe. Madame, vous avez peut-être les artères du cerveau en tuyau de pipe. Mais ciel, en tuyau de pipe? Oh, mais l'usage du tabac, docteur, il serait-il pour quelque chose? Oui, je prise un peu. C'est une chose qu'il faudra examiner. L'insomnie peut être due aussi à une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Ça doit être affreux! Mais expliquez-moi cela, docteur. Imaginez un crabe ou un poulpe ou une araignée en train de vous sucer, de vous déchiqueter la cervelle et la grignoter. Mais il y a de quoi s'évanouir d'horreur. Oh, mais docteur, oh, tuez-moi tout de suite, je vois. C'est cela que je dois avoir. Tuez-moi une piqûre. Oh, une piqûre. Oh, non, plutôt, ne m'abandonnez pas. Oh, je me sens descendre au dernier degré de l'épouvante. Oh, mais ce doit être absolument incurable et mortel. Non, non. Oh, mais on peut guérir. Oui, à la longue. Oh, mais ne me mentez pas, docteur. Je veux avoir... Pour suivre le traitement tout le long. Oh, et de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. Mais les deux, madame, je n'oserais peut-être pas dire cela à une personne ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se soigner avec les méthodes les plus modernes. Vous avez vu, c'est différent. Oh, mais je serais une malade très docile, docteur, soumise comme un petit chien. Je passerai partout, il le faudra. Enfin, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Ah ben non, absolument pas, puisque c'est à la radiothérapie que l'on fait appel. Ah. Non, la vraie difficulté, c'est de pouvoir suivre le traitement pendant 2 ou 3 années. Et aussi d'avoir un médecin sous la main capable de vous accompagner et de pouvoir venir s'il le faut tous les jours. Oh, mais moi je ne manquerai pas de patience. Mais c'est vous, docteur, c'est vous qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi comme il le faudrait. Vouloir, je ne demanderai que cela. C'est le pouvoir. Vous habitez loin? Mais non, à deux pas, la maison en face du poids public. Eh bien écoutez, je passerai tous les matins, sauf le dimanche et le lundi, à cause de mes consultations. Mais ce ne sera pas trop d'affilée? 2 jours d'intervalle, je serai pour ainsi dire sans soin du samedi au mardi. Mais je vous laisserai des instructions très précises. Et si j'ai un peu de temps, je passerai le dimanche après-midi et le lundi après mes consultations. Ah, tant mieux. Tant mieux. Eh bien écoutez, rentrez chez vous, couchez-vous, je passerai vous voir demain matin et je vous examinerai plus à fond. Mais je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui? Si. Voilà.
Voilà, madame. Oh, merci, docteur.